Merci de nous rejoindre. Si vous venez d'arriver sur WEO dans toute la région des Hauts-de-France, il y a quelques minutes, on s'intéressait à notre antivirus. C'est vrai que nous allons, en cette période de confinement, beaucoup utiliser les ordinateurs, mais aussi les tablettes et les smartphones. Damien Bancal, notre spécialiste en cybersécurité, est avec nous. Vous nous disiez, Damien, que l'antivirus est indispensable, même sur le smartphone et sur les tablettes. Mais la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il faut choisir un antivirus gratuit ou payant ? Alors justement, c'est une question qui est souvent posée. Il faut savoir que dans les antivirus gratuits, ils ont quasiment tous la même efficacité qu'un antivirus payant. Les différences, elles viennent où ? Elles viennent que maintenant, dans les solutions payantes, il est fourni d'autres options. Parce que l'antivirus, sa mission, c'est quoi ? C'est détecter le code malveillant, ce virus qui a pour mission de se reproduire et de provoquer des actions malveillantes dans l'ordinateur, hein, effacer des fichiers, se renvoyer ailleurs. Tandis que les solutions payantes aujourd'hui proposent par exemple des anti-filoutages, vous savez, le phishing. Ils proposent aussi potentiellement des outils qui vont permettre d'avoir un contrôle parental, qui vont permettre par exemple aussi d'avoir une connexion chiffrée ou de protéger ses mots de passe. Donc c'est vraiment un choix. Soit vous avez envie de mettre un petit budget sur ces outils qui vont permettre d'avoir une multitude d'options, soit un antivirus gratuit est largement suffisant pour la partie antivirus. Mais c'est vraiment un choix à avoir. Si je prends un gratuit, je ne vais pas avoir de la pub ? Ah si, n'oubliez pas que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc il est logique que ces sociétés aient envie de vendre leurs solutions payantes, parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas parce que c'est gratuit que derrière, il n'y a pas des gens qui travaillent, il n'y a pas des professionnels, des gens qui les mettent à jour. Donc voilà, il y a aussi le fait de vouloir donner un petit coup de main. Et petit clin d'œil justement, on a une société à Villeneuve-d'Ascq, à XBX, qui propose l'unique antivirus français, Virus Keeper. Et donc du coup, eh bien, ça permet aussi de payer eh bien, ces entreprises qui innovent. Donc voilà, c'est vraiment un choix. Soit je n'ai pas envie parce que je me contente du gratuit, mais le gratuit vous proposera des publicités assez fréquemment, qu'on le veuille ou non. Et après, les versions payantes. Hein. Et comme c'est bientôt Noël, demandez-le au Père Noël. Oui, Virus Keeper, vous dites. Ok, je note. Oui. Moi, je me posais aussi une question, Damien Bancal. On entend souvent dire qu'on n'a pas besoin d'antivirus sur les ordinateurs Apple. Est-ce que c'est vrai ? Dites-vous que les malveillants, aujourd'hui, s'intéressent à toutes les populations ? Et l'excellente question de Damien à Damien, oui, non, effectivement, le Mac est un petit peu plus blindé. Mais c'est une façon de parler, parce que n'oubliez pas que le virus peut venir aussi éventuellement dans un site internet qui est caché sur les internets, justement. Il peut y avoir d'autres manipulations. Il existe des failles sur Apple. Il existe des moyens d'être malveillant dessus. Donc c'est un outil qui reste indispensable. C'est un peu le principe du vaccin de la grippe pour nous humains. C'est, voilà, on n'est pas à l'abri d'une malveillance qui pourrait apparaître demain, et au moins cette barrière, cette petite brique de cybersécurité, eh bien, vous évitera de voir votre machine s'éteindre toute seule, par exemple. Et l'antivirus, il analyse évidemment l'ordinateur. Est-ce qu'il peut analyser des fichiers en ligne ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il existe aussi des moyens de tester eh bien, un fichier que vous recevez. Alors, il y a un site internet qui s'appelle Virus Total qui vous permet, alors là, vous n'avez rien dans votre ordinateur, vous envoyez un fichier ou carrément l'adresse internet d'un site web. On va prendre celui de WEO. Vous envoyez à Virus Total ce site internet et il va vous dire si ce dernier peut être considéré comme dangereux, s'il est dangereux, et surtout si le fichier joint que vous avez reçu, il ne faut surtout pas l'ouvrir. Donc au moins, ça, c'est une protection. Alors, il ne vous protège pas, hein, dans le principe, ou si vous avez cliqué dessus, il est trop tard. Mais au moins, il vous indiquera que le site internet qui vous est proposé à télécharger, je ne sais pas, moi, le dernier film gratuit, la musique libre de droit, un fichier texte, un document Word, peu importe, eh bien, il n'est pas piégé. Mais attention, vous envoyez, n'oubliez pas, votre fichier à un site internet quelque part dans le monde. Donc on va éviter d'envoyer un fichier qui peut éventuellement contenir votre comptabilité, la liste de vos clients, vos mots de passe. Merci beaucoup Damien Bancal, notre spécialiste en cybersécurité. Vous reviendrez très régulièrement, évidemment, en cette période de confinement. Vous êtes bien confiné dans votre bureau, dites donc, a priori. Tout se passe bien. C'est pas mal. Oui, vous êtes pas mal, vous êtes bien installé. Merci beaucoup Damien.